Mes chers collègues, très heureux de vous retrouver ce jeudi matin. Nous examinons ce matin la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile qui sera discutée en séance publique dans le cadre de la journée de niche du groupe Horizon le jeudi 14 mars prochain. Sans plus attendre, je vais céder la parole à notre rapporteur, Madame Anne-Cécile Violent, puis nous en viendrons aux orateurs de groupe et aux autres intervenants. La parole est à vous, Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président, cher Jean-Marc, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. L'urgence est là, nous le savons. Nous le savons dans cette commission, les activités humaines bouleversent l'environnement à un rythme avec une ampleur sans précédent depuis des millénaires, voire des centaines de milliers d'années, entraînant des impacts toujours plus ravageurs, généralisés et désormais pour partie irréversibles. Alors que les vies de milliards de personnes sont déjà affectées, on parle, avec un changement climatique à plus 4 degrés, de menaces accrues sur la production alimentaire, de vagues de chaleur intenses, de tensions sur l'approvisionnement en eau dans des régions entières qui ne pourront plus compter sur la fonte estivale des neiges de glaciers disparus. Dans d'autres régions, où habitent aujourd'hui près de 2 milliards d'habitants, les climatologues anticipent des variations de précipitations de 40% en positif ou en négatif selon les zones géographiques, avec les incidences que l'on peut imaginer en inondation ou en sécheresse. Au total, c'est près de la moitié de l'humanité qui pourrait être confrontée à un stress climatique dramatique de ce type d'ici à la fin du siècle, avec le lot de tensions géopolitiques que cela entraînerait. Face à ce scénario du pire, qui d'année en année pourtant devient plus probable, nous ne pouvons que constater notre aveuglement collectif. Aveuglement d'un modèle économique en rupture avec le constat scientifique, où la hiérarchie des prix nous incite trop souvent à faire le choix du pire pour l'environnement. L'avion moins cher que le train pour rejoindre une capitale européenne, la malbouffe plus accessible que l'alimentation de qualité, locale, durable, les produits importés de l'autre bout du monde, sans normes et produits au charbon, plus compétitifs que nos industries décarbonées. S'il y a bien un domaine où cela est frappant, c'est dans le secteur de l'habillement, où nous sommes submergés d'injonctions permanentes et quotidiennes à la surconsommation. Marketing publicitaire agressif, nouvelles collections hebdomadaires et même quotidiennes, ventes flash et surtout prix cassés. En l'espace de 2 décennies, le prix moyen des vêtements a diminué de 30%. En parallèle, les quantités achetées ont doublé. On parle aujourd'hui de 3,3 milliards de vêtements mis sur le marché chaque année, 1 milliard de plus qu'il y a 10 ans. Dit autrement, cela fait plus de 48 nouveaux produits par habitant chaque année. Cet emballement, évidemment décorrélé de toute dynamique démographique ou de tout réel besoin, conduit simplement les vêtements à être moins portés, plus rapidement relégués au fond de nos placards et peut-être quelques années plus tard être jetés. Les chiffres sont frappants. On estime qu'un tiers seulement des vêtements en fin de vie le sont compte tenu de leur usure ou de leur détérioration. On parle même d'obsolescence émotionnelle pour qualifier cette faible durabilité extrinsèque des vêtements. Cette surconsommation est en fait intimement liée à la montée en puissance de nombreuses enseignes dites de fast fashion ou d'ultra fast fashion, ou plus précisément en français de mode express, de la mode éphémère, de la mode jetable. Avec des prix défiant toute concurrence, ces dernières inondent les marchés d'une quantité de nouveaux modèles sans commune mesure avec ce qui se pratiquait avant. Ces marques renouvellent de manière quasi permanente leur collection pour une durée de commercialisation très courte et avec des promotions continues afin de créer des effets de mode et provoquer un réflexe d'achat régulier chez les consommateurs. Écrasant toute concurrence et en particulier les acteurs du textile traditionnel français, le modèle de la mode jetable et de ses prix chocs tend à s'imposer. Mais la réalité reste que ces prix bas ne sont rendus possibles qu'au détriment du respect d'exigences sociales et environnementales élémentaires. C'est bien le citoyen qui, in fine, contribue financièrement pour lutter contre les dégâts causés par leur mode de production. Services de collecte et de gestion des déchets, de dépollution, sans parler des ressources publiques mobilisées pour faire face à la multiplication des aléas climatiques et événements extrêmes, inondations, tempêtes, sécheresses. En vendant ces produits à ce prix-là, les entreprises de la mode éphémère font des profits, écrasent la concurrence, mais laissent à la collectivité une facture considérable.
C'est donc pour corriger cette prime au vice que je défends devant vous aujourd'hui la présente proposition de loi qui s'appuie sur trois piliers. D'abord, l'information du consommateur. Cela reste peu connu aujourd'hui, mais l'industrie du textile représente aujourd'hui environ 10% des émissions de gaz à effet de serre, bien plus que l'aérien et le maritime réunis, et pourrait même atteindre 26% de celles-ci en 2050 si les tendances actuelles de consommation se poursuivent. Au-delà de l'impact sur le climat, le polyester, qui est la matière première la plus produite, nécessite pour sa fabrication annuelle 70 millions de barils de pétrole, tandis que le coton, première alternative végétale aux fibres synthétiques, est la première culture consommatrice de pesticides au monde, mobilisant plus de 10% des volumes épandus. Au stade de la fabrication des vêtements, la teinture de ces derniers requiert la mobilisation de substances toxiques qui finissent dans les milieux aquatiques. 20% de la population des eaux dans le monde serait ainsi imputable à la teinture et au traitement des textiles. En Chine, cela représente 70% des rivières et des lacs. Enfin, au fil de la durée de vie des vêtements, lors de chaque lavage, ceux comportant des matières synthétiques relâchent des microfibres plastiques dans l'environnement, qui représentent au total chaque année l'équivalent de plus de 24 milliards de bouteilles de plastique. Une étude a ainsi constaté que plus de 90% des microplastiques trouvés sur les rivages de la Suède étaient constitués de fibres textiles synthétiques. Face à ces effets et à la responsabilité de la mode éphémère dans l'augmentation des volumes mis en marché, l'article 1er de la loi vise à définir la pratique commerciale de la mode éphémère et à imposer qu'un message d'information et de sensibilisation du consommateur sur l'impact environnemental de cette industrie soit présent sur leur site internet, accompagné d'un message incitant au réemploi, au recyclage et à la réparation des vêtements et accessoires. L'article 2 vise à responsabiliser les entreprises du secteur. Son objectif est de faire évoluer les pratiques des producteurs, tout comme les comportements d'achat des consommateurs. Concrètement, les entreprises de la filière textile seront soumises à un système de primes et de pénalités renforcées sur les articles qu'ils mettent en vente. Le paiement de cette pénalité sera probablement répercuté par une hausse de prix pour le consommateur, envoyant ainsi un signal prix. Autrement dit, le prix du produit reflétera davantage la réalité de son impact environnemental, donnant une opportunité aux Français de s'interroger sur le modèle que leur consommation peut soutenir et éventuellement se tourner vers des habits de meilleure qualité et plus durables. Alors que la France vient de traverser une crise du monde agricole, la question posée fait écho aux revendications de nos agriculteurs, celle du juste prix de nos produits de consommation. J'entends parfois dire qu'il s'agit d'une taxe supplémentaire, mais cela n'a rien à voir. L'État ne percevra aucun centime de ses contributions qui seront directement gérées par la filière de l'habillement et redistribuées immédiatement dans leur intégralité pour faire baisser significativement le prix des vêtements durables, encourager la seconde main ou encore financer la prise en charge de la réparation des vêtements et ou des chaussures pour tous. Au-delà de l'impact écologique de la mesure, celle-ci permettra d'assurer une concurrence plus équitable pour le secteur textile français et européen et de relocaliser de nombreuses industries et emplois sur notre continent. C'est un enjeu crucial après des décennies de délocalisation de la production et une division par trois du nombre d'emplois dans l'industrie textile depuis 1990, sans parler de la multiplication plus récente des entreprises placées en redressement judiciaire. C'est d'ailleurs un autre fait méconnu du grand public, mais l'industrie textile et de l'habillement pèse de plus en plus fortement sur le déficit commercial français. C'est la troisième industrie la plus déficitaire, avec plus de 12 milliards d'euros, soit plus de 20% du déficit global hors énergie. Enfin, l'article 3 s'attaque à la question de la publicité particulièrement intrusive, agressive et ciblée des entreprises de la mode éphémère. Je porte là une ambition forte, celle d'une interdiction de toute forme de publicité, directe ou indirecte, traditionnelle ou sur les réseaux sociaux, des marques comme des influenceurs pour ce qui relève de la mode éphémère. En réalité, il ne s'agit pas d'une mesure radicale, mais simplement d'une mesure de bon sens, si nous sommes sérieux dans notre détermination à tenir nos objectifs climatiques et à poursuivre le travail de mise en cohérence du secteur de la publicité avec ces derniers que le législateur a entamé avec la loi Climat et Résilience. Voilà donc les principales mesures dont nous allons pouvoir débattre et sur lesquelles je proposerai quelques ajustements par voie d'amendement, nourris de très nombreuses auditions que j'ai eu la chance de conduire sur ce texte en tant que rapporteur.
Comme vous tous, je sais l'impact social de la production textile à bas prix, souvent lointaine et délocalisée, avec des mises en cause par la société civile de violation des droits humains, travail forcé, travail des enfants, etc. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir, mais malheureusement, ce texte présenté dans le cadre d'une niche parlementaire ne peut traiter de l'ensemble des problématiques du secteur compte tenu de l'angle environnemental que nous avons retenu et des contraintes juridiques qui s'imposent à nous. Je mesure la frustration que cela peut susciter, elle me concerne au premier chef. Avant de conclure, je souhaite simplement remercier les nombreux collègues qui se sont investis sur ce sujet avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger personnellement. Je pense évidemment à notre président de commission, Jean-Marc Zulesi, au député démocrate Jimmy Pain, à la présidente du groupe écologiste Cyrielle Châtelain, aux députés socialistes Stéphane Delautrette et Dominique Potier, à la députée insoumise Alma Dufour et au député Antoine Vermorel et bien d'autres encore avec qui, je n'en doute pas, pourront s'illustrer dans ces débats. Et je veux aussi remercier très très sincèrement Olivia Sanson, administratrice de la commission, ainsi que Florian Bishop, collaborateur de groupe Horizon. Merci beaucoup. Merci pour le groupe Renaissance. La parole est à Huguette Thiégnard. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, depuis le 19e siècle, nos vêtements sont de plus en plus considérés comme jetables et l'industrie s'est fortement mondialisée, modifiant la répartition géographique de la production dans les secteurs du textile et de l'habillement et de la chaussure. Cette tendance s'est encore accentuée au cours des dernières années avec l'émergence du phénomène de fast fashion et ultra fast fashion. Cette mode express est un segment de l'industrie vestimentaire qui se caractérise par le renouvellement très rapide des vêtements proposés à la vente. Nous sommes passés de 2 collections par an à 24 collections dans certains magasins, voire à des nouveaux modèles chaque jour sur des plateformes de e-commerce. Aujourd'hui, c'est plus de 100 milliards de vêtements qui sont vendus chaque année dans le monde. Celles-ci sont aussi exportées dans les pays en développement, au détriment de l'industrie et des savoir-faire locaux, parfois même à l'encontre des législations européennes en vigueur. Ces chiffres sont aberrants, d'autant plus que l'industrie textile compte parmi les plus polluantes du monde. Son empreinte carbone est estimée à 1,2 milliard de tonnes de CO2, soit environ 2% des gaz à effet de serre mondial. Si nous n'agissons pas, ces chiffres ne cesseront de croître, allant à l'encontre de nos ambitions écologiques. Bien sûr, des mesures ont déjà été prises dans le cadre de la loi AGEC, où justement la stratégie de l'Union européenne pour les textiles durables et circulaires a été adoptée la même année. Aujourd'hui, nous allons analyser cette proposition de loi portée par le groupe Horizon. Le groupe Renaissance soutient cette proposition qui entend réguler la fast fashion. Et il est vrai que c'est un pas vers un changement pour aller vers des mœurs plus durables comme la slow fashion. Mais j'aimerais rappeler ici les propos de Yves Saint-Laurent. Merci. La mode passe, le style reste, mais les impacts s'inscrivent dans le temps. C'est donc à nous de le réguler. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Antoine Villedieu. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Nous soutiendrons toute initiative qui pourrait inciter et non contraindre nos concitoyens à une meilleure consommation. Le vice de la mode ultra éphémère est celui du consumérisme exacerbé, qui a rendu fou au point d'occulter ce qu'était un objet, son rôle, sa durée de vie, les conditions humaines dans lesquelles il doit être produit, la distance ahurissante qu'il doit parcourir par rapport à sa valeur et l'empreinte écologique désastreuse qu'il laisse. Les entreprises d'ultra fast fashion répondent au même schéma. Elles sont à l'autre bout du monde, surtout en Asie, avec une main-d'œuvre s'apparentant trop souvent à un esclavage moderne. Elles desservent une pollution colossale autour d'elles et dans les eaux, et proposent un mode très bas de gamme, composé essentiellement de polyester, donc de pétrole. La position de notre groupe est connue de tous et demeure la même. Nous soutenons toute initiative qui pourrait encourager une industrie plus locale, plus vertueuse et en conséquence plus écologique, soit une industrie textile à l'opposé de celle de la mode éphémère. Nous apprécions tout particulièrement la question de société qui est soulevée ici, celle d'apprécier la valeur de l'objet et sa capacité à être réutilisé. Ce principe doit s'appliquer à l'ensemble de notre consommation, inciter à réparer plutôt que d'acheter du neuf.
Cette proposition de loi est l'occasion de repenser notre façon de consommer et, à notre échelle, de reconsidérer notre responsabilité, celle d'Occidentaux qui importent du bon marché pour le réexporter en Afrique sous forme de déchets, pour ne pas faire face à l'urgente nécessité de réindustrialiser notre pays. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La Française Soumise, NUPES, la parole est à Madame Alma Dufour. Merci, Monsieur le Président. Je vous l'avoue, une proposition de loi qui encadre la fast fashion comme elle ne l'a jamais été en France, qui émane de la droite, on ne l'avait pas vu venir. Et pour une fois, je dois dire que Horizon porte bien son nom. Je crois que l'on peut assumer de dire que l'industrie textile est ce que la mondialisation a fait de pire. Qu'est-ce qui se passe ? 10% des émissions mondiales, troisième industrie la plus polluante du monde, plus de 2 milliards de vêtements importés chaque année en France, 50 par habitant. Rompu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite interruption de séance et puis vous reprendrez. Vous reprendrez. Voilà. Donc, voilà. Petit problème technique. Nous reprenons notre commission. Et ce que je vous propose, Madame Alma Dufour, c'est que vous puissiez reprendre depuis le début, de sorte à ce que... Non, je vais continuer. De toute manière, j'aurai aussi la déclaration générale en séance. Donc je ne vais pas vous infliger des répétitions. Donc j'en étais au salaire. Donc les salaires à 2 dollars par jour au Bangladesh ou en Éthiopie, le travail forcé dans les camps en Chine ou en Ouzbékistan. Bref, l'industrie textile est le symbole parfait des liens entre la crise écologique et l'exploitation des êtres humains. Il n'y a pas de surconsommation sans surproduction. Il n'y a pas de surproduction sans l'exploitation des travailleurs jusqu'à l'esclavage. Et nous avons atteint ce stade de notre histoire économique. Alors que nous consommons toujours plus de vêtements chaque année en France, nous perdons toujours plus d'emplois associés à la filière textile. Ça recommence, je crois. Ah non, c'est bon. Associés à la filière textile, que ce soit évidemment les emplois dans l'industrie, puisque nous avons perdu plus de 375 000 emplois en 50 ans dans la fabrication de vêtements en France, mais aussi désormais les emplois dans le commerce, puisque nous avons perdu 65 000 emplois en solde net dans la vente de vêtements en France ces 10 dernières années. Donc, comme vous le voyez, Madame la rapporteure, votre proposition de loi est plus que bienvenue. Nous incitons le gouvernement à accepter les amendements qui visent à encadrer l'ensemble de la fast fashion, avec évidemment des mesures plus drastiques pour la mode ultra éphémère, mais qui visent à aussi imposer des pénalités écologiques progressives sur la fast fashion en général, car les problèmes que j'ai décrits préexistaient avant l'arrivée des certaines marques que je ne citerai pas et qui sont ciblées particulièrement par cette proposition de loi. Merci Madame la députée. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Antoine Vermorel-Marquez. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Je viens d'un territoire, le territoire de Roanne, dans le bassin de Lyon, où nous étions les rois du textile dans les années 70-80, avant la vague de délocalisation en Chine. À cette époque, pas une seule famille de ma circonscription n'a pas été affectée par un licenciement lié à une délocalisation dans le secteur asiatique. Mais à cette époque, on ne délocalisait que la production du textile et on ne délocalisait pas la commercialisation du textile. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon territoire, un territoire qui revit de manière industrielle avec des entrepreneurs qui investissent pour le Made in France, le Made in Europe, et qui se retrouve concurrencé par deux grands changements dans le secteur du textile. Le premier, plus vertueux, qui est celui de la seconde main. Le deuxième, beaucoup plus polluant et beaucoup moins vertueux, qui est celui de l'ultra fast fashion. Alors même que l'on a délocalisé dans les années 80-90 l'industrie textile à Roanne, on délocalise désormais en France la commercialisation et l'ultra fast fashion a conduit à la destruction de 10 000 emplois en moins d'un an dans nos rues de proximité. Alors ce texte, Madame la rapporteure, et cet intérêt pour l'ultra fast fashion, chers collègues, il dépasse les sensibilités politiques. S'il dépasse les sensibilités politiques, il nous revient aussi de rendre à César ce qui lui appartient et à saluer l'engagement de la gauche, et notamment de la gauche européenne en la matière, qui a su, avant les autres, alerter sur cette question-là. Puisque nous sommes davantage ici dans cette commission rattachés à l'étiquette du vêtement qu'à l'étiquette partisane, je souhaite qu'on arrive à un accord sur cette proposition de loi et qu'elle puisse aboutir, surtout au vu de la croissance de l'ultra fast fashion qui concurrence de plus en plus notre économie. Et si on ne met pas un terme très rapidement à ce sujet,
alors nos industriels français pourront mourir très rapidement. Mais attention, la question qui nous sera posée par cette proposition de loi, c'est souhaitons-nous réguler le marché ou l'interdire ? C'est le débat que nous aurons autour de la différence entre le bonus-malus que nous défendons au sein du groupe Les Républicains et l'interdiction de la pub. Le but de cette proposition de loi, c'est, pour paraphraser une influenceuse très connue sur TikTok, c'est de la rendre trop canon, trop classe pour le Made in France et le Made in Europe, pas de la rendre trop canon, trop classe contre la Chine et contre l'Asie. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate Modem indépendant, la parole est à Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Je le dis souvent avec simplicité, mais nous ne devons avoir qu'une seule boussole, l'accord de Paris sur le climat. Alors, Madame la rapporteure, s'il y a une phrase à retenir de l'exposé des motifs de votre proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, je crois que c'est celle-ci. Pour tenir nos engagements climatiques, il nous faut revenir à des volumes de production soutenables. Parce que nous partageons cette ambition, le groupe démocrate et apparenté soutiendra la proposition de loi que vous-même et le groupe Horizon avez souhaité déposer dans le cadre de votre niche parlementaire. La fast fashion, la mode éphémère, la mode à renouvellement rapide, quel que soit son nom, a des conséquences désastreuses sur l'environnement, la biodiversité et le climat sans réellement bénéficier aux consommateurs, même modestes. Ces entreprises nous entraînent dans une spirale destructrice, à la fois les entreprises françaises qui ne peuvent plus suivre la cadence et perdre des parts de marché, et à la fois les consommateurs à qui l'on permet d'acheter sans besoin et sans compter. Il est certainement ringard de penser avec nostalgie au temps pas si lointain où l'on proposait 2 à 4 collections par an. Y revenir est utopique, mais comme je le disais, notre boussole, c'est l'accord de Paris. Cela nous oblige, dans ce cas précis, à réguler le marché par des décisions ambitieuses et contraignantes afin de revenir à des volumes de production soutenables. Je vous redis donc notre plein soutien, Madame la rapporteure, et nous vous remercions d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de nos travaux. Et je me permettrai aussi d'insister un petit peu sur la loi AGEC que nous avons votée il y a 3 ans et sur laquelle il y a actuellement un rapport de contrôle. Et il y avait déjà beaucoup de choses. Donc déjà, avançons et allons jusqu'au bout de cette loi AGEC et tenons nos promesses. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Stéphane Delautrette. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. À mon tour, je vais commencer par vous remercier, Madame la rapporteure, pour cette proposition de loi qui permet de mettre sur le devant de la scène l'aberration sociale et écologique que représente le modèle prôné par la fast fashion et ultra fast fashion. Alors que traditionnellement, la grande majorité des marques renouvelaient leurs collections de manière semestrielle et saisonnière, les marques de mode express proposent de nouvelles collections chaque semaine à des prix défiant toute concurrence, poussant ainsi les consommateurs à acheter toujours plus de vêtements de faible, voire de très faible qualité. Cette stratégie, réalisée le plus souvent au mépris des normes environnementales et sociales qui prévalent en France et en Europe, n'est malheureusement pas sans conséquences. Vous l'avez rappelé, Madame la rapporteure, l'industrie textile mondiale est ainsi responsable de plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre 26% en 2050 et utilise plus de 4% de l'eau potable disponible dans le monde. De plus, c'est une source de pollution majeure de l'eau et de la biodiversité, notamment à cause des produits chimiques et des pesticides utilisés tout au long du processus de fabrication. L'impact social du secteur est également désastreux. Si l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 avait provoqué une vaste onde de choc dans notre pays, force est de constater que la production de textiles continue à être largement localisée dans des pays ne respectant aucune norme européenne en termes de salaire, de conditions de travail ou d'utilisation de produits chimiques. Aucune industrie ne peut résister face à une telle concurrence déloyale. Si on constate une division par 3 du nombre d'emplois dans l'industrie textile depuis 1990, c'est en grande partie du fait de l'essor de la fast fashion. Si cette PPL entend à juste titre s'attaquer à cette surproduction de vêtements en utilisant notamment les leviers des écomodulations mis en place au sein de la REP textile, nous, socialistes et apparentés, défendrons un certain nombre d'amendements afin d'aller plus loin dans la proposition initiale. Merci. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Vincent Thiebaud. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chère Anne-Cécile, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à féliciter et remercier notre collègue, Madame la rapporteure, chère Anne-Cécile, aussi remercier l'ensemble des membres du groupe Horizon qui nous ont permis de porter ce texte de loi ici devant vous aujourd'hui dans le cadre de la niche parlementaire.
Ce texte aujourd'hui est majeur. Cela a été dit, et je le rappelle, effectivement, et dans la continuité des travaux que nous menons depuis plusieurs années au sein de cette commission, notamment la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Un texte majeur, parce que nous le savons, l'industrie textile s'est considérablement transformée ces dernières années. La fast fashion, ou mode éphémère, s'est largement développée au point que le nombre de vêtements proposés à la vente annuellement a progressé d'un milliard en 10 ans, pour atteindre 3,3 milliards de produits, soit plus de 48 produits par habitant. Aussi, nombre d'enseignes de mode jetable se partagent aujourd'hui une partie du secteur de l'habillement, notamment en raison du succès économique de ce modèle. Je veux ici rappeler que le chiffre d'affaires de certaines marques, comme Shein, a progressé de 900% en seulement 3 ans. Or, comme vous l'avez très justement rappelé, Madame la rapporteure, ces bouleversements ne sont pas sans conséquences. Sur l'environnement d'abord, avec des impacts sur la pollution des sols, des eaux et l'industrie responsable d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que l'ensemble des vols et transports maritimes internationaux. Sur le plan social ensuite, une production textile marquée par une politique de volume important et de prix bas qui en font une production souvent lointaine et délocalisée, difficilement concurrentielle pour les acteurs du textile français. Je vous sais, Madame la rapporteure, particulièrement engagée sur le sujet, et j'en suis sûr, cette proposition de loi nous permettra d'aller plus loin en termes de protection de notre filière textile française, notamment grâce au principe de bonus-malus inscrit à l'article 2, mais également en termes de protection de l'environnement à travers la sensibilisation des consommateurs et l'interdiction de la publicité pour les entreprises du fast fashion. Pour toutes ces raisons, bien entendu, nous soutiendrons et nous nous félicitons de ce texte de loi et nous appelons, et je n'ai pas de doute sur le sujet, l'ensemble des groupes parlementaires à le soutenir également. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Cyrielle Châtelain. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. La fast fashion est un fléau symbolique de ce que notre société produit de pire. Surexploiter les ressources naturelles, polluer sans compter, exploiter les ouvriers et les ouvrières, puis manipuler les consciences pour encourager à surconsommer. Surtout, c'est un seul objectif, toujours tirer vers le bas, les prix, les salaires, les normes, les droits. Donc, ça a des conséquences évidemment funestes. On déplore chaque jour des faillites, des nouveaux scandales de la pollution, des nouveaux scandales en termes de conditions de travail pour les femmes et pour les enfants dans un certain nombre de pays, notamment en Asie. Moi, je me réjouis, mais je crois comme l'ensemble des intervenants, qu'il y ait une volonté très claire aujourd'hui du Parlement de dire stop à ce modèle. Oui, effectivement, les enseignes ne s'arrêteront pas d'elles-mêmes et c'est notre rôle de législateur de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques. Le groupe écologiste est historiquement mobilisé contre ce fléau, mais je tiens à remercier la rapporteure, le groupe Horizon, pour avoir inscrit ce texte à l'ordre du jour et de travailler dans un esprit d'ouverture pour qu'on puisse construire un texte qui soit finalement le plus efficace possible. Durant cet examen, le groupe écologiste n'aura qu'une priorité, l'adoption de solutions concrètes et efficaces. Nous voulons éviter un texte qui finalement offrirait la possibilité aux entreprises de ne pas s'en saisir ou de faire porter le poids uniquement sur les consommateurs. Nous aurons donc plusieurs propositions. C'est la question des quotas, notamment pour réduire les importations, la pénalisation de la surproduction, le fait de distinguer effectivement les différentes sortes de fast fashion dans les définitions, fixer des pénalités minimales, oui, parce qu'il y a l'ultra fast fashion, la fast fashion, l'ensemble des... on voit bien des subtilités qu'il y a. Donc, en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'on pourra adopter un texte ambitieux qui, certes, à un moment, gênera les intérêts de quelques multinationales qui sont enfermées dans un modèle destructeur, mais qui, je pense, et j'ai l'impression que nous en sommes tous persuadés, pourra mettre des perspectives qui sont positives, c'est-à-dire arrêter de voir des boutiques fermées. Je pense que ça, c'est, on n'en veut plus. Et aussi avoir, mettre un terme à la concurrence déloyale aujourd'hui qu'il y a, et puis faire en sorte que les personnes puissent acheter des vêtements dans lesquels ils sont bien. Merci. Et qui ne les mettent pas en danger non plus en termes de santé. Merci. Pour le groupe gauche démocrate et républicaine, NUPES, la parole est à Édouard Bénard. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. En premier lieu, il convient de souligner qu'il est rare d'intervenir en 9e et d'être d'accord avec les prises de position de tous les orateurs qui nous ont précédés. Alors, à mon tour, je tiens à vous remercier, à remercier le groupe Horizon de nous proposer de légiférer sur les impacts de la fast fashion, qui est un sujet de première importance et effectivement pas simplement celui d'une taxe supplémentaire. L'essor de la mode jetable alimente un modèle de production qui repose sur les volumes et sur les prix bas. Ce modèle a d'abord mis en grande difficulté le secteur de l'habillement, comme cela a été dit, contraignant de nombreuses enseignes à mettre la clé sous la porte. Il se traduit surtout par des atteintes insoutenables
aux droits humains dans les pays producteurs. Travail forcé, travail des enfants, mise en danger de la vie des travailleurs et parfois des riverains des sites de production, conditions de travail et de rémunération inacceptables. Nous regrettons que le texte n'en fasse pas suffisamment mention pour se concentrer sur l'impact environnemental, aussi massif soit-il. Madame la rapporteure a fait mention de ce qui motivait ce choix. J'y reviendrai moi-même par voie d'amendement. Nous considérons qu'au-delà des mesures de régulation du secteur, nous devons nous poser la question d'interdire purement et simplement la mise sur le marché des produits concernés. Ils ne répondent pas aux normes sociales, environnementales et sanitaires minimales que nos concitoyens sont en droit d'exiger. Et nous devons à minima mettre en œuvre un système de quotas d'importation tel que celui qui existait avant 2005. Les pouvoirs publics doivent, selon nous, lancer de leur propre initiative en coopération avec les ONG des campagnes nationales d'information sur les dégâts sociaux et environnementaux occasionnés par la fast fashion et des alternatives plus durables à la disposition des consommateurs. Alors que la directive européenne sur le devoir de vigilance destinée à mieux protéger les millions de personnes qui souffrent des atteintes aux droits humains et environnementaux menace d'être définitivement enterrée avec la complicité de la France, nous nous devons de réagir et de ne pas cautionner les pratiques inqualifiables des entreprises dont nous parlons aujourd'hui. Votre texte fait un premier pas en ce sens, un pas utile sans doute, mais encore un peu trop timide. Merci. Pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, la parole est à Stéphane Lenormand. Merci Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, chers collègues. L'histoire industrielle de notre pays est largement liée à celle du textile. Longtemps, cette industrie a contribué à la richesse et au dynamisme de nos territoires, avant que les entreprises ne fassent le choix des pays à bas coût. En 20 ans, le secteur économique, et ça a été dit, a perdu quasiment 2/3 de ses effectifs et plus de la moitié de sa production. C'est un drame pour les territoires concernés. C'est aussi et souvent une catastrophe sociale et environnementale pour les pays où la production a été relocalisée. Nous avons tous en tête le drame du Rana Plaza ou les révélations sur le travail forcé des Ouïghours. De même, les dégâts écologiques engendrés par l'industrie de la mode devraient tous nous alarmer, mais c'est le cas ici ce matin. D'autant que les tendances à l'achat sont en pleine croissance. Il faut nommer et lutter contre les responsables, et ce sont les marques donc de la fast fashion. C'est l'objet de cette proposition de loi qui met en place des outils utiles pour lutter contre les achats compulsifs. La rapporteure nous propose en préambule de définir la fast fashion. Les marques concernées seront celles distribuant un nombre de produits neufs dépassant un seuil. Tout l'enjeu est naturellement la fixation de ce seuil. Et le fait que la proposition nous le renvoie à un décret nous semble un peu un pari hasardeux. En effet, si le gouvernement fixe un niveau de seuil trop haut, seule une minorité de marques sera concernée. Et s'il est trop bas, à l'inverse, des fleurons nationaux pourraient être impactés. Il nous faudra être vigilants. Il nous est proposé ensuite d'interdire à ces de faire la promotion de leurs produits et de leur imposer la publication sur le site internet de messages de sensibilisation. Ces deux dispositions vont dans le bon sens. De même, nous sommes favorables à la mise en place d'un véritable malus sur les produits issus de la fast fashion. Il est urgent de renchérir leur prix pour qu'afin ils reflètent les externalités négatives de ces produits. Une vigilance, naturellement, sera sur la mise en œuvre de ce malus avec la même précaution à avoir que sur le seuil. Nul ne peut ignorer qu'un vêtement qui est vendu aujourd'hui à quelques euros est aussi fait d'économies salariales et de conditions de travail déplorables. C'est pourquoi le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire soutiendra cette proposition de loi, moyennant quelques ajustements nécessaires. Je vous remercie. Merci. Avant d'attaquer le vif du sujet, Madame la rapporteure, quelques mots en réponse. Mais simplement déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à cette proposition de loi. Et évidemment, je tiens aussi à remercier non seulement le groupe Horizon, mais mes collègues pour avoir accepté d'inscrire cela à l'ordre du jour de notre niche parlementaire. Je crois que notre commission du développement durable l'incarne bien. La question de la préoccupation du devenir de notre planète et de l'environnement n'est pas une question politique, n'est pas une question de clivage politique. On le voit bien, on travaille ensemble et l'intérêt est justement de pouvoir dépasser tous ces clivages pour pouvoir travailler de manière transpartisane. Et non seulement cette commission l'incarne, mais la manière dont nous avons travaillé ensemble sur cette proposition l'incarne aussi. Et je tiens à remercier justement toutes les personnes qui ont été auditionnées, qui ont vraiment éclairé notre réflexion, qui amènent justement pour vous, chers collègues, comme pour moi, de nouveaux amendements pour pouvoir vraiment affiner notre précision, affiner et préciser notre réflexion. Donc encore une fois, un grand merci à toutes les filières, fédérations, ONG, associations, personnes qualifiées que nous avons pu auditionner.
Enfin, un dernier remerciement pour mon équipe, mes collaborateurs de Circo comme Paris qui se sont saisis du sujet avec brio. Merci. Nous y allons, Monsieur le Président. Eh bien, allons-y avec l'article 1er, le CD 30 présenté par Madame Brûle-Bois. Je ne la vois pas. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune, le CD 165, Monsieur Hénard. Merci, Monsieur le Président. Nous avons souhaité, avec cet amendement, reprendre une proposition de la Fédération de la mode circulaire qui tend à promouvoir une définition plus précise des pratiques commerciales visées par le texte. Au-delà du critère de volume de modèles, il importe, pour qualifier ces pratiques, de tenir compte notamment du nombre de modèles mis à disposition des consommateurs sur les plateformes, de la fréquence et de l'intensité des promotions, ainsi que de la réparabilité des produits mis en vente. Alors l'amendement ne multiplie pas les critères pour restreindre le champ d'application de la loi, mais cherche à mieux identifier les pratiques qu'il s'agit d'encadrer, voire de réprimer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dans cette discussion commune, le CD 132 que je vais vous présenter, un amendement de travailler avec les commerçants de Salon de Provence, magnifique commerçant, qui vise justement à compléter la définition de la fast fashion en incluant deux critères, à la fois celui de prix de vente moyen, mais aussi, parce que c'est important et ça a été rappelé, celui du nombre d'emplois directs créés sur le territoire français. Amendement CD 146, présenté par M. Villedieu. Merci M. le Président. Vous avez fait le choix dans cette proposition de loi de faire du nombre de nouveaux modèles publiés chaque jour le critère exclusif pour définir ce qu'est la mode express. S'il s'agit en effet d'un élément fondamental, il ne peut suffire à lui seul pour dire ce qui est ou non la mode express pour deux raisons. La première est qu'il ouvre trop de possibilités de contournement en multipliant les sous-traitants pour rester systématiquement juste en dessous du seuil qui sera fixé par décret. Et peuvent également renouveler beaucoup plus rapidement les gammes pour pousser les clients à continuer à se connecter tous les jours. La deuxième raison est que la fixation d'un simple seuil peut concerner des plateformes de vente de produits neufs qui ne sont pas eux-mêmes producteurs, comme les places de marché. Celles-ci mettent en valeur des produits de différentes marques qui ne sont pas des acteurs de la mode express. C'est pourquoi cet amendement vient moduler le critère du seuil de nombre de modèles avec les critères de régularité de renouvellement ainsi que la régularité et l'intensité des promotions. Avec ces trois critères, la définition fixée par décret sera plus complète et juste. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. S'agissant du premier amendement, merci beaucoup. C'est vrai que cet amendement témoigne d'une véritable réflexion sur ces différents éléments qui permettent de caractériser le phénomène de la mode express à travers des données quantitatives, mais certains semblent néanmoins difficiles véritablement à mesurer, notamment le respect des droits humains. Et enfin, la quantité globale d'unités produites sur le marché, cela n'est pas nécessairement révélateur parce qu'un tel critère pénaliserait les entreprises qui ont par exemple le plus grand réseau de magasins ou bien des collections de vêtements larges, c'est-à-dire pour tous les âges et tous les sexes. Donc c'est un avis défavorable. Monsieur le Président, par cet amendement et en modifiant l'alinéa 2 de l'article 1er, vous voulez ajouter deux critères pour définir la pratique commerciale de la mode express. Le critère du prix de vente ne me paraît pas être le plus pertinent. Un certain nombre de produits sont très peu chers dans beaucoup d'enseignes et achetés en grande quantité. C'est donc difficile de définir ce prix de vente moyen, même si effectivement la réflexion est intéressante. C'est pour cette raison que je préfère maintenir la version de la proposition qui se fonde sur des seuils quantitatifs concernant le nombre de nouveaux modèles et la durée de commercialisation, qui sont des critères qui revenaient systématiquement lors des auditions. Enfin, le dernier amendement, je peux comprendre la position dans le sens où la mode express ou l'ultra-mode express peut se caractériser entre autres sur des pratiques promotionnelles intensives qui sont un facteur d'incitation à l'achat. Néanmoins, je ne partage pas la rédaction de l'amendement dans le sens où le décret devra fixer les seuils et que nous souhaitons absolument mettre en cause la commercialisation de nouveaux modèles et que la réactivité sera plus facile par une inscription par décret. Merci beaucoup. Je vais retirer, donc, avis défavorable. Je vais retirer mon amendement, le CD 132, et mettre aux voix l'amendement CD 165, qui est pour, hein, qui est contre, il est rejeté, le CD 146 qui est pour,
qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le CD 50, Monsieur Vermorel Marquez. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à inscrire au sein de l'article 1er la notion de metteur en marché, qui est en fait la notion officielle des filières de responsabilité élargie des producteurs, le REP, et qui permet donc de respecter et de correspondre à l'article 2 de la proposition de loi. Merci. Le CD 86, Madame Dufour. Oui, alors justement, il y a un gros débat sur le fait de calculer la notion de mode éphémère, de référence, de mise en marché au niveau du site web et pas au niveau d'une entreprise et de la marque. Pourquoi je dis ça ? Parce que Shein, on ne va pas se mentir, l'entreprise qui est visée par tout le monde dans cette PPL est en fait une place de marché depuis décembre 2023. Aujourd'hui, si on adopte la loi avec ce que vous proposez, M. Vermorel-Marquez, c'est-à-dire en excluant volontairement les sites web et les places de marché, ce sera extrêmement facile pour une entreprise comme Chine de contourner toutes les réglementations. Comment elle fait ? Elle demande à ses ateliers qui travaillent pour elle, ses sweatshops en Chine, de créer une entité juridique, société écran, etc., comme ça arrive sur AliExpress, sur Wish, sur Amazon, on connaît le système maintenant depuis une dizaine d'années, ou même elle le fait pour elle. Ce sont des entités juridiques séparées, elles sont toutes présentes sur le même site web. Pour le consommateur, ça ne change rien, ça reste Shein. Il ne verrait pas qu'en tout petit, ce n'est pas Shein, la marque qui lui vend, mais un autre petit vendeur tiers. C'est une place de marché. Le nombre de références est divisé par 100 000 et elle ne rentre pas dans les critères de la loi. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui se pencher sur la question du e-commerce en général. Je rappelle que les places de marché ont justement été inventées pour contourner les règles. C'est le but. Donc il faut absolument les inclure dans ces définitions. Madame la rapporteure. Alors écoutez, un avis défavorable pour l'ensemble, puisque effectivement, monsieur le député Vermorel, le terme de mise en marché est en effet le terme utilisé dans le cadre des filières de responsabilité élargie aux producteurs. Ici, nous définissons une nouvelle pratique commerciale qui n'est pas liée stricto sensu au principe de la REP en termes de paiement des éco-contributions. Or, le terme de mise sur le marché renvoie au metteur sur le marché. Ce terme pourrait partiellement inclure les places de marché qui assument le paiement de l'éco-contribution pour les vendeurs tiers et qui, à ce titre, sont des metteurs sur le marché, mais même s'ils n'opèrent pas une activité de distribution et ne sont pas considérés comme des opérateurs économiques au sens du droit de l'Union européenne. Comme je vais pouvoir le repréciser, nous ne souhaitons pas inclure les places de marché dans la définition de la mode express dès lors qu'elles agissent comme intermédiaires. C'est pourquoi je préfère maintenir le terme actuel de mise à disposition et distribution. Madame la députée Dufour, pour plusieurs raisons, je suis opposée à l'inclusion des places de marché à cet article. Les places de marché, à moins qu'elles commercialisent leurs propres produits sous leur marque, ne sont pas en tant que telles des producteurs et donc des donneurs d'ordre par rapport à la problématique générale de la surproduction de vêtements. Je ne nie pas qu'elles peuvent faciliter les achats en ligne, mais comment pourrait-on discriminer une place de marché qui permet l'achat de produits de vendeurs tiers et le vendeur tiers lui-même, pour définir qui a recours à la pratique commerciale de la mode express. On ne peut pas juridiquement inclure les places de marché dans les personnes qui mettent à disposition ou qui distribuent les produits. Ces entités ne sont que des intermédiaires entre des clients et des vendeurs. Au sens du droit de l'Union européenne, elles ne constituent pas des acteurs économiques. Il faudrait donc les distinguer des opérations de mise à disposition et distribution. Avis défavorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement CD50 qui est pour. 1, 2, 3, 4. Qui est contre ? Il est rejeté. Le CD86 qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous continuons avec le CD185. Madame la rapporteure. Cet ajout, en fait, permet de préciser la définition de la pratique commerciale dans la loi, l'activité générale de mise à disposition et de distribution de vêtements, linge de maison et chaussures, n'étant pas remise en question dans l'ensemble. La définition de la pratique commerciale qui sera précisée par décret en termes de seuil devra prendre en compte cette précision. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Continuons avec le CD 105, Madame la rapporteure. Donc c'est un amendement rédactionnel qui vise à préciser la définition de la pratique commerciale et de ne pas prendre en compte le nombre de produits effectivement commercialisés, mais le nombre de nouveaux modèles proposés à la vente. Merci, je mets en voie cet amendement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Nous continuons avec le CD 55, Monsieur Vermorel Marquez. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement rédactionnel et juridique a pour objet
de modifier le terme modèle par référence pour être plus précis, notamment en cas d'interprétation extensive par le juge. Madame la rapporteure. Alors effectivement, je suis favorable à cet amendement dans la mesure où la notion de référence est une notion plus utilisée dans le secteur de la mode et du textile que la notion de modèle qui n'a pas véritablement de définition juridique. La notion de référence renvoie à la référence couleur, c'est-à-dire que pour un modèle, il existe plusieurs références. Cela représente une entité plus facile à connaître et à comptabiliser pour les entreprises. Avis favorable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 55 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je comprends qu'il faudra faire un certain nombre d'amendements de coordination pour mettre tout cela au féminin, puisqu'on passe modèle, référence, mais tout va bien se passer. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune, le CD9 présenté par Monsieur Delautrette. Oui, merci, Président. Je défendrai le CD9 et le CD8, qui est identique et porté par mon collègue Dominique Potier. Donc, on en revient à la question des seuils et à ce qui permet de caractériser ce qui relève de pratiques de surproduction. Et nous proposons d'inscrire dans le texte des seuils et de considérer comme toute quantité supérieure ou égale à 100 000 produits par catégorie par an constitue la définition de la surproduction et de la surconsommation qui en découle. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Votre amendement vise à définir une nouvelle pratique commerciale qualifiée de surproduction, de surconsommation incompatible avec les limites planétaires, évidemment. Celle-ci est définie par des seuils de production que vous définissez, plus de 100 000 produits par catégorie de produits par an ou supérieurs à 1,5 million de produits, toutes catégories confondues. Pour autant, il ne m'apparaît pas nécessaire ni souhaitable de démultiplier les caractérisations des pratiques commerciales en sus de celles devant déjà être établies concernant la sphère éphémère. C'est à la fois un enjeu de lisibilité et de simplicité, mais aussi un gage d'efficacité, puisque au-delà de qualifier une pratique, nous y associons des mesures contraignantes, particulièrement fortes et ambitieuses, en matière d'information du consommateur et d'interdiction de la publicité. C'est pourquoi je demande un retrait ou un avis défavorable, s'il vous plaît. Sur les deux. Sur les deux amendements. Ouais. Très bien. Monsieur Delautrette ? Maintenu, très bien. Je mets aux voix l'amendement CD9. Qui est pour ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est contre ? Il est rejeté. Le CD8. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous continuons avec le CD52. Monsieur Vermorel-Marquez. Merci, Monsieur le Président. Simplement pour cibler dans cette PPL, la question des entreprises et non pas des produits, dans le cadre de la REP, qui s'applique à des producteurs et non pas à des produits, de façon à bien dire que notre enjeu, c'est que les entreprises changent de mode de production, et non pas que les produits changent de mode de production, ce qui poserait un problème économique. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le député. En fait, cette précision n'apporte rien dans tous les cas. Comme vous l'indiquez, ce sont les producteurs qui sont soumis à la REP, mais en fonction des produits qu'ils mettent sur le marché. Donc la REP ne vise justement pas les entreprises comme entité juridique. Donc je vous demande de retirer ou à défaut défavorable. Vous maintenez. Je mets aux voix cet amendement CD52. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Le CD7, monsieur Delautrette. Oui, merci, Président. Par cet amendement, nous souhaitons préciser dans la proposition de loi les seuils encadrant la fast fashion en fixant donc ces seuils, non pas par décret, mais dans le texte qui sera soumis au vote. Donc nous proposons plusieurs amendements. Hein, le premier, le CD7, qui fixe ce seuil à 30 000 nouvelles références commercialisées chaque année, hein, à partir duquel s'appliquera un malus sur les productions textiles. Et les amendements qui suivent, le 6 fixe ce seuil à 20 000 et le CD5 à 10 000 références commercialisées par an. Merci. La parole, on continue avec le CD6 que vous venez de présenter, le CD5 aussi et le CD49 présenté par monsieur Vermorel-Marquez. Merci, Monsieur le Président.
Je pense qu'au sein de cette commission, et Madame la rapporteure en premier, nous sommes tous très ambitieux et très volontaristes par rapport à cette volonté de réguler le marché. Je m'inquiète, une fois l'adoption de cette proposition de loi, à la fois par notre Chambre et par celle du Sénat, par des pressions diplomatiques ou des menaces de rétorsion commerciale qui pourraient finalement affaiblir la volonté du législateur en laissant un pouvoir trop important à l'exécutif. Et donc, par conséquent, avoir un décret qui, certes, paraît plus pertinent sur le papier en matière de flexibilité, mais qui pourtant pourrait politiquement être plus difficile à prendre pour l'exécutif. Et donc c'est pour ça que nous défendons au sein du groupe plusieurs amendements similaires à d'autres groupes pour fixer dans la loi à minima un seuil minima qui définit la fast fashion. Merci. J'imagine que vous avez présenté les différents amendements en question puisque c'est à chaque fois des types de références. Le CD 144 présenté, je ne vois pas Monsieur Bricou, Madame Bassière. Madame la rapporteure, votre avis sur ces amendements? Effectivement, vos différents amendements proposent de fixer dans la loi un seuil de nouvelles références. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être réactif. Nous sommes face à une industrie, à une manière de fonctionner qui est extrêmement réactive, extrêmement agile. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir garder vraiment, nous aussi, de l'agilité et de la réactivité. Et ce sera ainsi beaucoup plus facile par décret que d'avoir à changer la loi. S'agissant de vos craintes, chers collègues Vermorel, j'ai vraiment confiance dans la détermination du gouvernement à s'attaquer à cette question de la mode express. Preuve en est la matinée que le ministre Béchu a organisée lundi matin avec des annonces extrêmement volontaristes et vraiment très actives. Donc, je souhaite que nous en restions là parce que je leur fais confiance dans la capacité à pouvoir tenir des seuils qui seront pertinents. Madame Alma Dufour. Alors, chère Madame la rapporteure, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi le problème d'une définition par décret? Lors de la loi AGEC, et M. Parent s'en souvient, il y avait déjà dans la loi la possibilité de fixer un malus jusqu'à 20% du prix du produit dans les filières à responsabilité élargie du producteur, donc dans la filière textile. Ce n'était qu'une possibilité à prendre par décret. Le gouvernement n'a jamais pris de tel décret. Aujourd'hui, l'éco-contribution, elle est à quelques centimes d'euros. Sur un vêtement, vous voyez bien que ça ne fait aucune différence et aucune incitation économique pour les producteurs. On a perdu au moins 4 ans depuis cette loi, justement parce qu'on avait laissé au gouvernement la possibilité de fixer les choses par décret. Deuxième chose, et ça c'est pour répondre à M. Vermorel-Marquez, je comprends que vous vous inquiétez effectivement de l'impact que pourrait avoir cette PPL sur nos relations commerciales, notamment avec la Chine. Il va falloir se dire les choses très clairement. C'est-à-dire comme pour le libre-échange en agriculture, il y a des entreprises qui ont un intérêt à ce que les barrières douanières soient basses et qu'il n'y ait pas de protectionnisme parce qu'elles exportent dans ces pays. Je pense notamment aux entreprises du luxe françaises qui n'ont pas dû être super ravies de voir cette PPL arriver sur la table. Et il y a tout un secteur industriel que l'on veut protéger et que l'on veut réindustrialiser et qui nécessite des barrières protectionnistes. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi on se doit d'être ambitieux dans cette PPL, à la fois à l'article 1, et on sera pour les amendements de nos collègues socialistes, mais aussi à l'article 2, et surtout à l'article 2, sur la question du malus progressif sur la fast fashion. Monsieur Vermorel-Marquez. Simplement pour préciser à ma collègue Alma Dufour qu'on vise le même combat et le même objectif. Moi, ce que je dis, c'est que nous, législateurs, devons aider l'exécutif à être ambitieux en matière de définition de fast fashion, de façon à ce qu'une fois que la loi est adoptée, les pressions diplomatiques ne viennent pas affaiblir la volonté de la souveraineté nationale que nous incarnons ici. Je vous remercie. Monsieur Adam. Oui, moi j'ai plutôt une question à vous poser, Madame la rapporteure, parce que je comprends la logique qui consiste à passer par décret, et en même temps, je pense qu'on a besoin d'être très clair sur les entreprises que nous souhaitons viser avec cette proposition de loi, parce qu'il y a effectivement l'exemple extrême de Shine, mais je pense qu'il faut intégrer évidemment les exemples de Primark et de Asos et des autres acteurs dans le périmètre de la fast fashion. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un flou qui persiste là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est en fixant des seuils dans la loi qu'il faut y arriver, mais en tout cas, j'ai besoin de savoir exactement si l'ensemble des acteurs de la fast fashion vont être intégrés et comment on va le faire. Et effectivement, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'a dit notre collègue Dufour, mais c'est vrai que dans la loi AGEC, on avait une ambition très forte qui n'a pas forcément été validée. Et moi, c'est aussi un des débats qu'on devra avoir tout à l'heure sur... Il y a l'idée du malus, mais je pense qu'il faut aussi valoriser un bonus en complément du malus. Et moi, je pense que là où nous devons être ambitieux, c'est sur un malus
qui viendrait avantager la production française, parce qu'on considère qu'en termes de normes sociales et environnementales, c'est évidemment les plus vertueux de tous les autres éléments, et qu'on bénéficie malheureusement de cotisations sociales qui sont plus importantes et de conditions de fabrication qui sont plus importantes, qui fait que le prix de vente sera forcément plus cher que quelque chose qui est importé d'un pays qui n'a aucune règle ou si peu. Merci à vous. Monsieur Millienne. Oui, je vous écoute depuis tout à l'heure, je suis à peu près d'accord avec tout le monde. On a un vrai problème, on a un vrai problème avec, avec toute ces, cette fast fashion qui est effectivement foutu à l'envers, mais moi je suis toujours étonné sur les seuils. Alors je ne sais pas, il faudra peut-être qu'on fasse une étude plus approfondie là-dessus, parce que je vois des chiffres arriver, des 100 000, des 50 000, des 30 000. On a l'impression que tout ça est fait un petit peu au doigt mouillé, et je me fais à chaque fois la réflexion des seuils quand on a des nombres comme ça. Vous faites moins 1, vous n'êtes plus de la fast fashion. Alors vous faites moins 1, vous êtes de la fast fashion. Donc moi j'ai un petit souci par rapport à ça. Il faudrait qu'on trouve une définition qui soit plus costaud, plus solide, pour essayer de faire en sorte que effectivement tous ceux qu'on considère faire de la fast fashion, et je comprends et, j'entends Alma Dufour vraiment, parce qu'il faut qu'on soit très ambitieux là-dessus. C'est impossible de continuer comme ça. Mais à chaque fois qu'on met des seuils comme ça, je ne dis pas au doigt mouillé, parce qu'il y a forcément des gens qui ont étudié la question et qui le font sérieusement, mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on met un seuil, on fait moins un, on échappe aux sanctions, et pour autant, on n'a pas arrêté de faire de la fast fashion. Donc je n'ai pas la solution, je mets ça sur la table comme ça, mais c'est un truc qui me gêne. Je mets donc aux voix l'amendement CD7, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le CD6, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le CD5, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Monsieur, continuons. Monsieur le Président, c'est les 49 retirés par contre, erreur dans la rédaction. 49 retirés, le 48 vous le gardez. Je mets au voile l'amendement CD48, qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, qui est contre. Il est rejeté. Le CD47, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le CD46, qui est pour. Si vous voulez lever la main, merci. Qui est contre, il est rejeté, merci. Le CD144 n'est pas présenté. Nous continuons avec le CD194, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc là, il est proposé d'insérer le mot en Conseil d'État après le mot décret. En effet, s'il est renvoyé au pouvoir réglementaire de soin de fixer les seuils qui détermineront si une activité relève de la pratique commerciale que nous voulons définir, il est important que l'acte réglementaire soit pris par un Conseil d'État en vue de l'importance du sujet et des conséquences liées au fait de recourir ou non à cette pratique commerciale. Merci, je mets aux voix cet amendement CD194, qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui est contre. Il est adopté. Le CD4, présenté par M. Delautrette. Oui, merci, Président. C'est un amendement porté par mon collègue Dominique Potier, qui est très actif au niveau européen sur ces sujets-là. Et par cet amendement, justement, on souhaite que dans cette PPL soient reprises les recommandations qui nous sont faites par le Parlement européen et qui invitent les États membres à adopter des mesures pour mettre fin au phénomène de mode éphémère et par cet amendement amener les éléments de définition sur ce qui constitue un textile, les textiles durables et circulaires. C'est la raison pour laquelle on vous propose d'introduire ces éléments-là dans la rédaction en y ajoutant et fondé sur des volumes importants de vêtements de moindre qualité à bas prix. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Merci pour cette réflexion qui, évidemment, a énormément de bon sens. Et on a vu à quel point les auditions ont pu souligner cela. Moi, je comprends votre démarche, mais je vous alerte quand même sur une formulation qui ne me paraît pas robuste sur le plan juridique. Qu'est-ce qu'un bas prix ? Dans quelle mesure on est certain qu'il s'agit de vêtements de moindre qualité, alors même que certains articles de la mode éphémère composés de polyester à bas coût peuvent être résistants ?
Ces deux notions nous paraissent discutables sur le plan juridique. Aussi, à ce stade, nous pensons plus prudent de nous en tenir au nombre de nouvelles références et à leur durée de commercialisation, qui sont deux caractéristiques facilement objectivables et déterminantes de la mode éphémère. C'est pourquoi je vous adresse une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement CD4 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le CD176, Madame la rapporteure. Rédactionnel. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Il fait tomber le 126. Nous continuons avec le CD54, Monsieur Vermorel Marquez. Simplement, Monsieur le Président et Madame la rapporteure, pour revenir sur le débat que nous avons eu précédemment, il pourrait être utile d'aider le gouvernement en disant qu'on fixe le seuil dans la loi, par exemple, à 1000 par jour, ce qui concerne essentiellement la plupart des entreprises de l'ultra fast fashion, et que le gouvernement ne peut pas dépasser ce seuil-là. C'est-à-dire qu'il peut effectivement faire 999 si les entreprises décident de faire moins une référence, mais il ne peut pas fixer 1001, 1005, 2000, etc. Je pense que ça pourrait être utile d'avoir une définition par décret, mais en mettant un plafond. Ce n'est pas l'objet de cet amendement, mais l'objet de cet amendement, c'est de défendre la question de l'inscrire dans la loi, la question du seuil pour la fast fashion, et je pense qu'on pourrait avoir une complémentarité entre législateur et pouvoir exécutif. Madame la rapporteure. Mais encore une fois, je souhaite que la définition des seuils et leur montant soient définis en décret et pas dans la loi. Je signale à nouveau justement qu'inscrire ces seuils dans la loi obligerait à repasser par la loi pour les modifier, et donc une procédure beaucoup trop lourde. Donc je précise néanmoins qu'il est indispensable que la loi tienne compte des seuils, et les deux critères indispensables nous paraissent être celui du nombre de nouveaux modèles ou nouvelles références par unité de temps et la durée de commercialisation. Avis défavorable. Monsieur Millen. Oui. Ah oui, c'est vrai que Madame Couillard, Madame la Ministre, me rappelait que tout ça avait été vu pendant la joie à GEC, mais malheureusement, on n'a pas les décrets. Mais non, simplement pour revenir sur cette gêne que j'ai sur la définition, hein, vous l'avez bien senti depuis le début, alors que je suis à peu près d'accord avec tout le monde. Enfin, tous les amendements que vous posez ont une justification et peuvent être... Moi, je ne sais pas, il va falloir qu'on aide de toute façon le gouvernement à clarifier cette définition, parce que... Donc je ne sais pas, Madame la rapporteure, mais il y a un moment ou un autre, peut-être qu'il va falloir faire un groupe de travail transpartisan là-dessus, parce que si on se loupe sur la définition, il y aura des gens qui échapperont. Si on se loupe sur la définition, on peut avoir aussi des entreprises françaises qui peuvent être assimilées à, alors qu'elles ne le sont pas et qui vont se retrouver dans des difficultés économiques qu'on ne veut pas. Donc c'est vraiment, il est quand même très important. Alors moi, je fais confiance au gouvernement dans la majeure partie des cas, mais quand on voit la difficulté qu'on a, nous, parlementaires, à définir réellement des seuils pour la fast fashion, je pense que ça mérite un travail approfondi avec le gouvernement, un groupe de travail parlementaire, pour qu'on puisse tomber d'accord tous. Et quand je dis groupe de travail parlementaire, je dis bien transpartisan. Nous poursuivons ici, dans cette commission, tous le même but. Monsieur Vermorel Marquez. Merci, Monsieur le Président. Simplement, l'objectif, c'est qu'on le définisse dès la semaine prochaine dans la loi. Donc il faut qu'on ait un... Moi, ce que je propose, c'est qu'on ait un amendement, une proposition rapidement de Madame la rapporteure et en lien avec le gouvernement pour qu'on puisse le décider ensemble. Mais l'objet de cette proposition de loi, c'est qu'elle soit à la fin, et c'est d'ailleurs le débat qu'on aura sur le bonus-malus, efficace pour lutter contre la fast fashion et pour inciter à la production en France et en Europe. Si à la fin, on finit une proposition de loi qui laisse la marge trop importante au gouvernement, malgré sa volonté, et je confirme l'avoir vu et l'avoir entendu lundi dernier de la part du ministre de la Transition écologique, mais je pense qu'une fois que cette proposition de loi sera adoptée, que les menaces de rétorsion et les pressions diplomatiques pourront la réduire en pipi de chat, et ce n'est pas la volonté de cette commission. Madame la rapporteure, et on me voit. Madame la rapporteure. Oui, Madame Châtelain. Merci, Monsieur le Président. Ça sera rapide, c'était pour rebondir sur la proposition de Monsieur Millième. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on accompagne le gouvernement dans la définition de ces seuils. Grâce à l'inscription à l'ordre du jour de ce texte de loi, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on travaille sur le sujet. Donc je pense que c'est l'occasion, c'est-à-dire qu'il nous reste 7 jours pour le faire. Nous sommes à disposition du gouvernement pour pouvoir faire ce groupe de travail dès maintenant et avoir un amendement commun adopté à l'unanimité la semaine prochaine définissant des seuils. Madame la rapporteure.
Écoutez, merci beaucoup pour votre réflexion. Alors, vous devancez une proposition que je souhaite faire au ministre, justement, sur la création d'un groupe transpartisan pour accompagner l'écriture des décrets. Moi, je suis absolument confiante dans la volonté manifeste de notre gouvernement et de notre ministre de la Transition écologique de pouvoir être juste et proportionné dans cette question-là. Et du coup, je vais répondre à votre question, Monsieur Millienne, cher collègue, sur la définition de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. En fait, cette loi, elle vise quoi ? Elle vise à réduire l'impact environnemental. On le sait, les plus grosses entreprises polluantes, c'est évidemment ces gros mastodontes asiatiques. Ça ne veut pas dire qu'on exclut du champ les autres. Ça veut juste dire, et on le verra, et ce sera effectivement l'objet de l'article 2, d'interroger les écomodulations des pénalités. En fait, c'est là-dessus que ça se joue. Donc, je reste sur un avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement CD 54 qui est pour. 7, qui est contre ? Il est rejeté, le CD 56, Monsieur Vermorel Marquez. Rédactionnel, Monsieur le Président. Madame la rapporteure. 56. Merci. Alors, défavorable parce que justement le notamment est extrêmement important. En fait, le notamment permet d'établir deux critères dont on parle depuis le début, mais potentiellement de pouvoir fonder la définition justement sur d'autres critères qui pourraient être utilisés. Si on enlève le notamment, on va ne se fonder que sur ces deux critères-là. Alors qu'encore une fois, on va pouvoir introduire au-delà de ces deux critères, d'autres critères qui pourraient paraître pertinents au ministère. Je mets aux voix cet amendement CD 56 qui est pour, qui est contre, et rejeté le 59, Monsieur Vermorel Marquez. Rédactionnel, Monsieur le Président. Ou de coordination. Madame la rapporteure. C'est moi. Donc, effectivement, défavorable, en cohérence avec la ligne 1, il est préférable de parler de référence. Donc c'est bien favorable. Ah pardon, c'est favorable, excusez-moi. C'est en cohérence avec l'autre, effectivement. On met aux voix cet amendement CD 59 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Merci. Le 60, Monsieur Vermorel Marquez. Merci, Monsieur le Président. Alors il s'agit d'un débat que, à titre personnel, je ne suis pas arrivé à trancher, qui est la seule question qui se pose légitimement par rapport à la régulation de notre proposition de loi. Cette question-là, elle m'est revenue de manière très légitime lors d'une vidéo que j'ai publiée sur les réseaux sociaux et qui a été un succès, et qui revient de la part de personnes qui ont des difficultés à s'habiller et qui ne trouvent que dans la fast fashion de la disponibilité. Je pensais, comme certains qui viennent de le dire de manière en messe basse, que ce n'était pas vrai. Et de fait, pour avoir discuté avec des industriels du textile français, ils m'ont exprimé leurs difficultés à produire une gamme suffisamment large, notamment en termes de mise sur le marché et de stock d'invendus. Et donc la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment on arrive à réguler ce secteur sans s'en prendre à la question de la dignité humaine et à la possibilité pour chacun et chacune de pouvoir s'habiller. Je ne dis pas que cet amendement est c'est probablement un amendement d'appel, mais en tout cas on doit s'interroger sur cette capacité que nos industriels européens, français et classiques ont comme difficulté à pouvoir offrir une gamme de produits suffisamment large pour tous nos compatriotes. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Je sais, mais c'est moi qui donne la parole, Madame la rapporteure. Et donc, l'usage, c'est que monsieur présente son amendement, vous répondez, ensuite on laisse la parole et après on met aux voix. Voilà, Madame la rapporteure. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Monsieur Vermorel, si vous aviez suivi les auditions, vous sauriez effectivement que la réponse est beaucoup plus nuancée que cela. Des offres existent et notamment nous avons auditionné des jeunes créateurs qui ont une capacité à produire des gammes de taille extrêmement importantes. Oui, c'est encore difficile. Bien sûr, le marché ne le permet pas encore avec un accès énorme, mais on a aussi des marques quand même de grande distribution qui le permettent déjà. Avis défavorable. Madame Brûlebois. Oui, moi je trouve que cet amendement est intéressant parce que effectivement les grandes tailles
on les trouve rarement dans les boutiques qu'on voit. Et c'est uniquement, effectivement, les marques à bas prix qui proposent une large gamme pour les grandes tailles. Si. Il y a beaucoup de boutiques où, si vous faites au-dessus d'un 38 ou d'un 40, vous ne pouvez pas vous habiller. Hein. Ça, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait quand même encourager. Il faudrait quand même encourager. Si, il faut encourager les metteurs sur le marché de s'intéresser aussi aux tailles un peu supérieures. Parce qu'en plus, nos jeunes, elles ont tendance à faire en sorte de pouvoir s'habiller en XS ou en 36. Et on encourage les pratiques alimentaires qui conduisent parfois à l'anorexie, parce que voilà, c'est et donc moi je trouve que c'est même si je comprends que l'amendement ne peut pas passer comme ça, je trouve que c'était une remarque intéressante de faire en sorte d'encourager à habiller toute la population dans sa diversité, dans la diversité de sa morphologie en particulier. Merci Monsieur Millienne. Oui, alors là, on se trouve devant un problème, excusez-moi du terme, mais on se trouve devant un problème peut-être genré. Les hommes n'ont aucun problème pour s'habiller en grande taille. Et je conçois effectivement que pour les femmes, ce soit plus compliqué. Et je vous parle d'expérience, les amis. Hein. Donc voilà, okay, vraiment aucun problème pour les hommes. Vous voulez trouver des t-shirts, des chemises grande taille chez les hommes, vous en trouvez à peu près partout, des costumes, des pantalons, il n'y a aucun souci. C'est vrai que c'est plus compliqué pour les femmes, ça je l'ai remarqué, effectivement, quand j'accompagne mon épouse ou certaines de ses amies dans les magasins. Ah bon ? Oui, mais bah, j'accompagne tout. Et c'est un plus compliqué. Alors, effectivement, même pour les hommes, c'est compliqué de s'habiller chez Armani, mais chez Armano, on y arrive. Hein. Bon, on va éviter de citer trop de marques non plus. On termine avec M. Vermorel-Marquez et on m'envoie. Merci, M. le Président. Lundi, c'était le délai de dépôt des amendements pour cette proposition de loi. Le même jour, c'était la journée internationale de l'obésité. Et la question des personnes qui sont en surpoids est une vraie question, notamment en termes de dignité vestimentaire. Donc je souligne l'importance, dans le cadre de cette proposition de loi, de n'écarter personne, et notamment de n'écarter personne en matière de dignité. Je vous remercie. Très bien, je vais donc mettre aux voix cet amendement CD60 qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec l'amendement CD57. Monsieur Vermorel-Marquez. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à ajouter des critères et notamment à conditionner la définition de la fast fashion aux critères de l'intensité des promotions et du mode de distribution en lieu et place de la durée de commercialisation. Madame la rapporteure. Merci. Pardon, excusez-moi. Vous avez fait le 57, c'est le 58 ? Non, il y a le 58 aussi, dans la discussion commune. Et le 58 concerne le même critère qui est celui, un critère supplémentaire de l'empreinte carbone et la durabilité des matières utilisées. Madame la rapporteure. En fait, justement, parce qu'on a conservé le notamment de tout à l'heure, ça permettra de pouvoir potentiellement travailler d'autres arguments, que d'autres critères que le renouvellement des références et la durée de commercialisation. Après, si on revient particulièrement sur vos propositions, s'agissant des promotions, c'est quand même difficile de définir un seuil qui pourrait être pertinent. Défavorable. Merci, je mets aux voix cet amendement CD57 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 58 qui est pour. Qui 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le CD188. Monsieur Vermorel-Marquez. C'est un amendement de coordination par rapport aux amendements précédents. Très bien. Le 61. Une correction orthographique. Madame la rapporteure, sur ces deux amendements. Merci infiniment, Monsieur Vermorel, de veiller à notre langue française. Favorable. Sur les deux. Oui. Très bien, je me vois le CD. Monsieur Vermorel-Marquez. Il m'arrive de faire des fautes de français aussi et d'orthographe, donc ce n'était pas du tout présomptueux, c'était simplement pour corriger le texte. Nous l'avions compris, aucun problème. Nous mettons en voie l'amendement CD188 qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. Le 61. Il tombe, puisque... Effectivement. Nous continuons avec le 62 présenté par M. Vermorel-Marquez. Défendu. Madame la rapporteure. Ouais, allez. Défavorable.
Je mets aux voix cet amendement CD 62 qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le 187, Madame la rapporteure. Donc, c'est une cohérence, en fait, il s'agit de substituer aux mots là, les mots leur faible. Cet amendement vise également à donner des précisions sur ce que les seuils qui seront déterminés par décret permettront de discriminer en termes de pratiques commerciales, relativement notamment au fait que les modèles sont parfois commercialisés dans un court laps de temps. Merci, je me vois cette avancée des 187. Qui est pour ? Qui est contre ? Et adopté. Nous continuons avec le 193. Idem, un amendement de cohérence avec le terme faible durée. Je mets aux voix cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous continuons avec le 171, Monsieur Thibault. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à clarifier que les pratiques de déstockage de produits invendus ne relèvent pas de la pratique commerciale de collection à renouvellement très rapide. Toutefois, je pense qu'il y a aussi un travail peut-être à faire aussi de précision sur la notion de déstockage d'invendus, puisqu'on sait aussi que certaines pratiques consistent à stocker des produits pendant longtemps, un certain temps, et après le faire passer lors des phases promotionnelles ou lors des soldes, ou les faire passer pour des invendus. Là, je pense aussi qu'il y a peut-être, même s'il y a besoin de cette clarification, il y a peut-être aussi à travailler aussi sur ces notions de déstockage. Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Je donnerai un avis favorable à cet amendement. En fait, l'objectif, ce n'est pas de considérer les activités de certaines plateformes comme équivalentes à la mise en disposition ou la distribution de produits textiles, ce qui pourrait les inclure dans la pratique commerciale de la mode express, quand bien même ces acteurs sont metteurs sur le marché au sens de la responsabilité élargie des producteurs. Il s'agit des plateformes, maintenant essentiellement en ligne, qui font des ventes d'invendus de marques et font donc du déstockage de produits qui, en tant que tels, ont déjà été mis sur le marché. Ces ventes dites privées ou de déstockage se font souvent à prix réduit. On ne peut pas nier l'utilité de telles pratiques par rapport à l'objectif de prévention des déchets, puisque dans un premier temps, ces acteurs évitent aux marques d'avoir trop d'invendus et donc de limiter le stock de déchets. Madame Dufour. Oui, attention, fausse bonne idée. Enfin, en tout cas, telle que la définition, elle est aujourd'hui, là, encore une fois, vous ouvrez la porte à tous les contournements possibles et inimaginables. En fait, on est d'accord, on ne veut pas toucher à Vestiaire Collective, à Vinted, etc. Ce n'est pas l'idée du tout de cette proposition de loi. Mais si vous ne précisez pas davantage la définition, une marque elle-même peut dire qu'elle fait du déstockage de la surproduction qu'elle a réalisée dans ses magasins et faire du déstockage. Et là, du coup, on tombe à côté. Et sur Internet, comment vous allez vérifier ça ? Donc, à mon avis, il faut travailler sur la notion d'acteurs tiers qui font du déstockage par rapport à la marque initiale, de la notion d'invendu. Et en l'état, nous, on est défavorables pour cette raison-là, parce que les impacts seront plus négatifs que ce qu'on cherche à protéger en termes positifs, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 171 qui est pour. 1, 2, 3, 4. Qui est contre ? Non, mais je suis désolé, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est rejeté. Amendement CD 1 pouvant être soumis à une discussion commune de M. Delautrette. Oui, merci, Président. Donc cet amendement a pour objectif de mettre l'accent sur la transparence à l'égard des consommateurs en renforçant les obligations d'affichage et d'information des producteurs, distributeurs et importateurs de produits textiles, tout ça conformément aux principes édictés dans la loi AGEC. Merci. Le CD 118 présenté par Monsieur Villedieu. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, nous proposons un dispositif qui nous semble plus efficace en matière d'information et de sensibilisation du consommateur. Plutôt que d'afficher un message à côté du prix de chaque article d'une plateforme en ligne de mode express, nous proposons qu'une fenêtre s'affiche à l'ouverture de la plateforme. Ce dispositif sera plus simple techniquement à mettre en place et sera plus lisible pour le consommateur. Une grande partie des achats sur ces sites se fait par smartphone. L'indication supplémentaire d'un message va brouiller le message malgré son importance. La validation de lecture du message de sensibilisation au réemploi et à la réutilisation sera obligatoire pour faire disparaître cette fenêtre et ainsi pouvoir naviguer sur le site internet. Madame la rapporteure.
Alors, évidemment, toutes ces informations sont intéressantes et pertinentes pour connaître la qualité et les conséquences de son acte d'achat. Mais ces propositions mélangent plusieurs dispositifs, l'impact social, l'impact environnemental. Et on veut vraiment que les messages qui passent soient affichés en ligne pour inciter au réemploi et au recyclage et qu'ils soient vraiment ciblés. Ensuite, s'agissant de la deuxième proposition, on est tout simplement hors droit, puisque nous ne pouvons pas imposer une telle obligation à des acteurs qui opèrent en dehors du territoire français, c'est-à-dire une très grande partie des plateformes qui vendent en ligne. Défavorable. Merci. Je me vois l'amendement CD1 qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5 qui est contre. Et rejeté le 118 qui est pour. Qui est contre. Rejeté. Nous continuons. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Madame la rapporteure. 299. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement, il vise tout simplement à ce que l'obligation d'afficher sur le site de vente en ligne des messages de sensibilisation sur le réemploi, la réutilisation et sensibilisant sur l'impact environnemental concerne les personnes qui, par leur activité, ont recours à la pratique commerciale nouvellement définie et non tous les acteurs du marché TLC, c'est-à-dire textile, linge de maison et chaussures. Merci. Le 53, Monsieur Vermoral Marquez. Défendu et 51 retiré, Monsieur le Président. Très bien. Le 87, Madame Dufour. Le 87, Madame Dufour. Défendu, c'est toujours sur les places de marché et le fait qu'il faut faire très attention pour l'effectivité de cette loi, qu'elle soit bien comptable de la faire respecter, y compris par les vendeurs tiers, sociétés écrans, qu'on ne pourra jamais retrouver et qu'on ne pourra jamais poursuivre jusqu'en Chine pour qu'elles respectent leurs obligations. Merci, Madame la rapporteure. Alors, favorable aux 199 et défavorable aux autres. Merci. Et si nous adoptons le 199, il fera tomber les autres amendements. Je mets aux voix l'amendement 199 qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, qui est contre. Et adopté. Nous continuons avec le 64 de monsieur. Le 64 tombe aussi. Nous continuons avec le 10 de monsieur Potier, présenté par monsieur Delautrette. Oui, merci président. Il s'agit là encore de préciser le type d'informations qui doivent être affichées en précisant que les informations doivent être fiables sur l'incidence des produits sur l'environnement. Merci, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Ce que vous voulez voir pour les messages de sensibilisation sont en fait des données qui apparaissent dans les obligations d'information aux consommateurs. Et donc, je vous renvoie à l'article 541.9.1 du Code de l'environnement. Et par ailleurs, c'est aussi ce que fera l'affichage environnemental, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, avis défavorable. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le 65 de Monsieur Vermorel Marquez. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à élargir en fait le message sur au-delà de la question de son impact environnemental, de l'élargir à l'impact social, sanitaire et économique de la fast fashion. Merci. Le 66 défendu. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans le sens où le CD199 a été adopté, en fait, l'obligation d'affichage ne concerne que les personnes qui ont recours à la mode express. Donc, l'amendement est satisfait dans la mesure où les messages de sensibilisation seront affichés sur les sites des vendeurs qui ont recours à la pratique commerciale de la mode express. Ils concerneront pratiquement cette pratique, du moins dans son aspect environnemental. Donc, avis défavorable. Madame, oui, merci, Madame la rapporteure, Monsieur Vermoral Marquez. L'objet de cet amendement n'est pas satisfait par votre amendement, Madame la rapporteure, puisque l'enjeu est d'élargir le message, c'est-à-dire qu'il ne soit pas uniquement environnemental, mais qui sensibilise le consommateur sur son acte d'achat par rapport à des conditions sanitaires, sociales, économiques et environnementales, parce que l'impact de la fast fashion n'est pas seulement environnemental. On l'a vu avec des études par Greenpeace, il est aussi sanitaire. Il est évidemment social par rapport aux conditions des travailleurs embauchés, ou certains auront d'autres mots, par les entreprises de la fast fashion, et économique par rapport à nos emplois français. Madame la rapporteure.
Merci. Effectivement, cher collègue, en fait, il est satisfait dans la cible visée. Maintenant, sur le message lui-même, effectivement, j'ai pu le préciser en propos liminaire, bien sûr qu'il sera intéressant de faire rentrer d'autres messages. L'idée est vraiment de rester sur l'impact environnemental et de s'en tenir justement pour une meilleure lisibilité et efficacité du message. Merci. Je mets aux voix l'amendement CD65 qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui est contre ? 1, 2, 3, 4. Il est adopté. Amendement CD, il fait tomber le 68. Il fait tomber jusqu'au 68 inclus et on reprend avec donc le 67 de M. Vermorel-Marquez. Monsieur Vermorel-Marquez. Oui, pardon, excusez-moi, Monsieur le Président. Cet amendement précise que l'obligation d'information encourageant le réemploi et la réparation des produits devra figurer avec les informations sur les qualités et les caractéristiques environnementales du produit. Madame la rapporteure. L'obligation d'afficher des informations destinées aux consommateurs n'a pas le même champ que notre dispositif qui ne concerne que la vente en ligne. Donc l'information pour les consommateurs, parfois appelée fiche produit, peut être consultable en ligne ou en rayon. Donc la manière dont l'affichage doit se faire est déjà définie et souvent l'information est accessible sur une page internet distincte de celle de l'achat. Je me poserai donc à votre amendement pour des raisons d'articulation entre les dispositifs. Je mets aux voix cet amendement CD67 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 177, madame la rapporteure. Rédactionnel. Je mets aux voix cet amendement rédactionnel qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Le 63, monsieur Vermorel-Marquez. Oui, merci monsieur le président. C'est un débat de fond qu'on doit avoir et notamment du point de vue de l'utilisateur. Je pense que le message doit être affiché en bandeau en haut ou en bas de chaque page de la plateforme, de façon à ce qu'il soit extrêmement visible par le consommateur. Pour prendre un exemple, si on met un message de prévention sur le tabac uniquement sur son prix, il n'y a rien sur le paquet. Moi, ce que je souhaite là, c'est que sur toutes les pages du site, en haut ou en bas, le message de sensibilisation soit bien écrit et bien visible de la part du consommateur et pas simplement à côté du prix, en petites lignes, telles que les plateformes envisageraient de le faire. Merci. Le 123, M. Grenon. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement de réécriture a pour objet de s'assurer que les utilisateurs des plateformes en ligne voient les messages encourageant le réemploi et la réparation de ces produits et que ces mentions ne soient pas perdues dans la page web. Le terme de proximité renvoie à une distance approximative pouvant être interprétée de manière trop vague et permettant à la plateforme en ligne de dissimuler ce genre de message. Il serait donc préférable de lui substituer le terme « à côté » qui implique des messages soient visibles avec le prix. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Alors, on estime que la manière dont les choses sont proposées permet quand même une visibilité et que le niveau de précision est quand même assez important. Et on ne pense pas que c'est à la loi d'aller aussi précisément dans les niveaux de précision. Donc, défavorable. Merci. Je mets aux voix le premier amendement, le CD63, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 123, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le 198, Madame la rapporteure. Donc en fait, c'est compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante, dont le contenu des messages est défini par décret. En effet, le décret prévu à cet alinéa harmonisera les messages encourageant au réemploi, la réparation et sensibilisant à l'impact environnemental des produits relevant de la pratique commerciale de la définition définie au 1. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 147, Monsieur Villedieu. Merci, Monsieur le Président. L'objectif de cet article est de permettre aux clients de prendre conscience de l'impact environnemental des produits. Aujourd'hui, il existe une obligation d'afficher le montant de l'éco-contribution pour un certain nombre de produits, notamment électroménagers. L'impact de cet affichage reste tout de même très limité. Cet amendement, inspiré par les échanges récents pendant les auditions, vise à appliquer aux produits textiles une obligation d'affichage liée à l'éco-contribution, mais pas sous la forme actuelle. Il s'agira de n'afficher que le malus ou le bonus appliqué à l'éco-contribution du produit. La forme sera prise par décret, mais l'idée serait de mettre en valeur sous la forme d'une pastille rouge ou verte
le malus ou le bonus de l'éco-contribution appliquée au produit en marquant le pourcentage, par exemple, du montant de la variation. Ce serait bien plus compréhensible pour le consommateur et ainsi permettrait de sensibiliser efficacement sur l'impact environnemental négatif ou positif d'un produit. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Écoutez, c'est toujours cette question de lisibilité et d'être le plus efficace possible. S'agissant de cet amendement, on n'a pas vocation à définir la REP. En fait, si on donne trop d'éléments dans cet affichage, on va perdre le message et donc on sera moins efficace. Défavorable. Merci, je mets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le 3 de M. Potier, présenté par M. Delautrette. Oui, merci, Président. Madame la rapporteure, vous avez évoqué les conséquences en termes de pollution plastique sur les, notamment textiles contenant des fibres plastiques. Donc l'objectif de cet amendement est d'aborder ce sujet et de fixer des critères de performance en matière de recyclage alors, sur ces produits complexes à ces productions de textiles qui contiennent des fibres plastiques. Madame la rapporteure. Merci beaucoup pour cette réflexion. Alors, vous ne précisez pas quels seraient ces objectifs spécifiques au-delà de la loi AGEC sur les filières REP et la filière, justement, responsabilité élargie des producteurs, des TLC, peut déterminer de tels objectifs dans son cahier des charges sur les textiles contenant des fibres plastiques, mais une telle disposition législative n'a pas de portée, donc avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement CD3 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le CD 189. Madame la rapporteure. Alors, en fait, on supprime effectivement l'alinéa 5 parce que cette précision n'est pas nécessaire. Les choses sont déjà prévues par la disposition. Petite précision, il fera tomber le suivant. Donc, Monsieur Vermoel-Maquette, si vous voulez dire un petit mot. S'il est adopté, bien entendu. Je mets aux voix cet amendement CD 189 qui est pour, qui est contre. Il est adopté, il fait tomber le 72 et nous continuons avec le 88, Monsieur Hamar. Merci, Monsieur le Président. La défense de cet amendement me donne l'occasion d'abord de remercier le groupe Horizon et notamment Madame la rapporteure de nous proposer un texte qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie du textile. J'y suis particulièrement sensible, notamment parce que les directives cadres au niveau européen, n'encadre pas suffisamment la présence d'un certain nombre de molécules, dits polluants éternels ou PFAS, qui viennent à contaminer l'eau, l'air et les sols et qui sont contenus par un certain nombre de textiles. Rappelez-vous que les PFAS ou polluants éternels représentent un risque majeur pour la santé, entraînant notamment des taux élevés de cholestérol, des diminutions de poids à la naissance, des perturbations du fonctionnement du foie et une moins bonne réponse aux vaccins pour les enfants. Alors, cet amendement vise, parce que dans votre présentation, vous avez aussi voulu nous sensibiliser à l'idée qu'il y avait une dimension à la fois consumérisme qui était véhiculée par la fast fashion, mais aussi notamment l'impact écologique. Au sens physique, vous avez parlé des déchets, de la nécessité de prévenir en la matière. Cet amendement vise à sensibiliser les consommateurs quant à la présence de ces molécules et uniquement cela pour qu'ils soient bien informés des conséquences de leur achat sur leur santé et sur l'environnement. Voilà pourquoi nous vous proposons un marquage, étiquetage, affichage ou tout procédé approprié lorsque les produits contiennent ces polluants éternels. Merci, Madame la rapporteure. Écoutez, votre réflexion, évidemment, est pertinente et je ne peux que la partager, mais à mon sens, c'est satisfait par l'article 541.9 qui comporte tous les types de substances, donc, dont les PFAS. Si je vous reprends l'article, l'autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent 3, ainsi qu'à leur éco-organisme de tout élément justifiant le taux d'incorporation de matières recyclées de leurs produits et de toute information relative à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, au mode de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre. Donc soit retrait, soit défavorable. Monsieur Fournier.
Oui, non, moi je voudrais venir en soutien de cet amendement parce que nous sommes là devant une pollution généralisée au PFAS. Et je pense qu'aujourd'hui, la reconnaissance du caractère polluant et de la dangerosité pour la santé n'est pas établie. Mais je pense qu'il faudrait aller encore plus loin. Il faut surtout les établir. Non, mais c'est établi, mais pas dans nos règles. Et il faudrait les interdire. Et d'ailleurs, il y aura une proposition de loi en ce sens que nous porterons dans notre niche pour les interdire immédiatement dans tous les emballages alimentaires et dans les vêtements qui immédiatement impactent notre santé. Et c'est vraiment un sujet d'une ampleur extrêmement importante et je pense qu'il faut effectivement que dès à présent, l'étiquetage puisse en faire état. Monsieur Hamar. Maintenu. Très bien, je mets aux voix cette avancée des 88 qui est pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est contre. Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 1er qui est pour l'article 1er. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui est contre. Article 1er adopté. Nous continuons avec des amendements créant un article additionnel après l'article 1er. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Madame la Présidente Châtelain, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement permet de continuer les débats sur la question du seuil. Aujourd'hui, on le voit, c'est un raz-de-marée, la fast fashion en France. C'est aujourd'hui plus de 7 vêtements sur 10 qui sont vendus en France. Donc, il faut limiter les importations. C'est l'objectif de cet amendement. Et pourquoi il faut limiter ces importations? Parce qu'en fait, les impacts, notamment environnementaux, sont colossaux et sont croissants si on ne fait rien. On sera à 26% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial qui seront liées à l'industrie du textile en 2050. Donc l'objectif de cet amendement, c'est de pouvoir poser des limites assez claires et un objectif de réduction d'importation. Dans cette discussion commune, le 85 de Madame Dufour. Oui, oui, je viens en soutien évidemment à la présidente Châtelain. En fait, il y a deux. Le problème principal du textile aujourd'hui, c'est la surproduction. C'est ce qui fait que c'est une des industries les plus polluantes du monde, c'est les volumes de production. On l'a dit, vous l'avez dit vous-même, 50 vêtements par habitant à peu près importés en France chaque année. Et moi qui ai suivi depuis au moins 5 ans les volumes des importations depuis plusieurs années, je vois que année après année, ces mécaniques, ça augmente. C'est comme une force d'inertie. En fait, ce n'est pas la demande qui fait l'offre, c'est l'offre qui crée la demande et qui trouvera toujours des débouchés pour la demande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a carrément un vêtement sur deux qui est vendu en promotion aujourd'hui en France parce qu'il y a trop de production. Alors, il y a deux manières de traiter ce sujet. Vous en avez choisi une, c'est-à-dire celle de la taxation environnementale dans le bonus-malus ou celle de la limitation directe des volumes et notamment de la limitation des importations. On est persuadé qu'il est plus juste de se fixer un objectif de limiter les importations socialement que de penser que juste une taxe environnementale suffira à faire baisser les volumes de consommation et en plus est beaucoup plus injuste socialement. On sait que ce mécanisme-là ne reçoit jamais le soutien des macronistes. C'est bien dommage parce que la Chine fait de même pour protéger ses propres industries quand elle veut développer une industrie. Et la fin des accords multifibres qui existaient dans le textile, la fin des accords multifibres en 2005 a signé définitivement l'arrêt de mort de l'industrie textile en France. Ben si, bien sûr que les barrières protectionnistes sont directement associées. Pardon ? S'il vous plaît, attendez. Vous pouvez me laisser parler ou pas, Madame Relois ? Attendez. Non, mais excusez-moi. Enfin, je vous dis. Madame Dufour, allez-y. Déjà parlé. Excusez-moi, mais pardon, c'est un peu fatigant parce que cette discussion, on l'a déjà eue pendant le projet de loi Industrie verte, et c'est exactement la position qu'a tenue votre groupe et le gouvernement. Donc, je suis désolée, je suis pas en train de vous insulter en disant que vous étiez contre les quotas d'importation, si ? Donc voilà. Donc, ce que je dis, c'est que pour protéger l'industrie textile que l'on veut recréer en France et pour baisser les volumes, il faut absolument adopter ce type de dispositif. Voilà pourquoi sont là nos amendements. Madame la rapporteure donne son avis. Et puis je donnerai la parole à Madame Brûlebois. Effectivement, si votre réflexion peut sembler pertinente, au-delà de positions purement macronistes, je dirais simplement que ça s'oppose au droit européen. Donc ce n'est pas possible aujourd'hui, même si encore une fois, la réflexion est intéressante. Défavorable. Madame Brûlebois. Oui, simplement, je trouve anormal que le mépris avec lequel on nous traite de macronistes. Nous vous appelons les députés de la NUPES et jamais nous ne vous appelons les mélenchonistes. Voilà. Les mélenchonistes, non, jamais. Vous pouvez, en tout cas, pas moi et pas dans cette commission. S'il vous plaît, voilà. Seule madame. Donc c'était simplement une remarque.
voilà, mélenchoniste, nous, on ne vous le dit jamais, pourtant vous l'êtes. Macroniste, c'est bon, quoi. Madame la ministre Couillard, je vous en prie. Après, concernant l'épiphase, chacun fasse son examen de conscience. Madame Brebois, vous terminez, voilà, oui, s'il vous plaît. Je n'avais pas fini, monsieur le président, oui. Excusez-moi. Donc, à propos des macronistes, donc j'ai dit ce que j'en pensais, je n'appelle jamais les députés la NUPES mélenchoniste. Ensuite, l'épiphase, il faut que chacun fasse son examen de conscience et qu'il regarde ce qu'il porte sur lui. L'épiphase, il en a partout, que ce soit dans ses vêtements, ses chaussures. Et l'épiphase, on en a depuis les années 1940 partout, parce qu'ils ont montré leur utilité pour l'imperméabilité des vêtements, pour les mousses anti-incendie, par exemple, ou pour les anti-adhésifs des poils Tefal. Donc voilà, aujourd'hui, c'est bon. Madame la ministre Couillard. Oui, merci, monsieur le président. Je pense que ce sujet aurait du sens si c'était au niveau européen. La question se pose au niveau européen. Aujourd'hui, il est vrai que lorsqu'on importe, on importe parfois de très loin. Et c'est ça, aujourd'hui, qui devrait être taxé. Par contre, je trouve que cet amendement n'a pas de sens. N'a pas de sens pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne le fait pas au niveau français. On ne le fait pas au niveau français parce que lorsque nous regardons, nous avons des producteurs. Nous avons des producteurs exclusivement français, et encore, hein, la matière n'est pas forcément française. Imaginons même qu'ils aient du coton ou qu'ils aient vraiment de la matière française. C'est peanuts. Ça ne représente rien. Nous n'aurions même pas de quoi nous habiller. Je pense qu'il faut regarder au niveau européen à l'avenir, parce qu'en effet, et même des grandes marques, je citerai ne serait-ce que Zara, qui n'a pas du tout, qui fait...